68 pour sa traditionnelle présentation de la rentrée, une présentation qu'ont pu suivre pour nous Sabine Pfeiffer et Vincent Lemiel. Oui, je me trouve devant le collège Robert Schumann de Saint-Amarin, ou plutôt un énorme chantier, car ce collège de 500 élèves va subir un lifting complet qui va durer 5 ans et qui va coûter plus de 10 millions d'euros. Et ce collège est l'un des 10 à subir de grandes transformations ces prochains temps. Pour cette rentrée, les chantiers sont aussi différents et l'un concerne le bilinguisme, comme nous l'explique Brigitte Klingert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Ici, dans l'espace rhénan, le bilinguisme est très important. Ce sont dans les 15 prochaines années 30 000 salariés qui seront recrutés, 30 000 salariés bilingues. Donc notre objectif, c'est que demain, tous les jeunes Alsaciens, tous les jeunes collégiens soient bilingues français-allemand. D'ici quelques jours, c'est donc la rentrée. Et dans le Haut-Rhin, ils seront 36 000 collégiens à reprendre le chemin de l'école. L'avenir de l'Alsace en discussion.